Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis nous, comment nous y est? Moi, saluez-nous, dans le nom de Jésus qui gagne tout pouvoir. C'est Frère Marc-Antoine Prosper qui a continué avec l'étude là, et dans le chapitre 14 là, qui ça le dit encore? Chapitre 14 là qui te dit l'unité du corps du Christ. C'est ça que nous avons étudié dans le chapitre là. Et je pense que nous vivons presque dans la fin. Et notre cas dit fin même l'essentiel nous dit dit toute bagaille. Nous faut qu'on prie pour nous capable commencer. Éternel entre Dieu, merci pour bonté, miséricorde. Merci pour ce fait pour nous, ce qu'on continue à faire pour nous. Déjà on apprend de souplet. Jetons un regard de pitié son nom. Que nous capable comprendre et mettre en pratique toute ces bagaille ça on avait étudié dans parole au cher Seigneur. Bagaille qui pour capable ban nous la vie. Aidez-nous capables de ne pas porter négligence sur eux et puis pour nous servir avec eux comme médicament pour capable traiter l'âme nous, pour traiter l'esprit nous, corps nous, justement pour que l'église soit capable en harmonie et pour nous vivre tant que frère avec sœur. L'unité de l'église c'est une force puissante dans le monde ça, cher Seigneur, pour que nous capables de rester dans Jésus nous sortir, faut que nous unis, faut que nous en harmonie. Pardonnez péché nous, pardonnez ça nous fait qui mal, permettre l'esprit imprégner nous afin que tout ça, petit, tu auras attendu, tu es capable de mettre en application. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. La base de l'unité. La base de l'unité. Et c'est l'esprit de vérité. Et ça, Jésus t'a parlé dans Jean 15, verset 26. Hein? Il avait dit. C'est cet esprit bon Dieu qui travaille d'arrache-pied pour le mettre toute promesse Christio en accomplissement. Parce que avant Jésus t'a quitté la terre, c'est ça que t'a parlé. C'est des bagages ça. Il t'a parlé. Donc on y a là, puisque lui pas là, dans le cœur, petit bon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit dans yo, justement, frère et soeur, pour que vous capable de mettre parole ça en application. Et ça fait. Tâche, devoir, responsabilité, Saint-Esprit attache-li, c'est pour que les capables de guider nous-mêmes qui chrétiens dans toute vérité Jésus te guide. D'après Jean 16, verset 13. Ouais? C'est pas de Saint-Esprit pour aider à comprendre une série de vérités, monde mettre Goumaro pour comprendre. C'est le Saint-Esprit, mesdames et messieurs, qui a aidé nous comprendre toute la vérité. C'est ça qu'il ne faut pas goumer avec un monde pour le croire en bagage ou dit. Tout le temps, Saint-Esprit pas touché que elle, tout le temps, Saint-Esprit pas aidé elle. Comprendre. Les papes, jamais ils veulent comprendre. Hein? Parce que, il paraît clair que vérité n'a pas parlé de l'IA, il pas centré de l'autre côté, c'est sous Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui-même qui base toute l'unité n'a pas cherché, frère et soeur. Si nous ne rejoignons pas nous dans Jésus, j'ai fait unité n'a pas cherché, nous ne pas rejoindre l'IA. Vous comprenez? Parce que, regardez le Saint-Esprit mission, le frère et soeur, c'est pour le guider croyant, c'est pour le guider chrétien, justement, dans toute vérité que nous trouvons dans Jésus-Christ. Si c'est pas le Saint-Esprit pour guider nous dans toute vérité, ça nous ne sommes pas capables. Parce que, ouais, toute étude ça, on a fait, vous favorisez, mesdames et messieurs, l'unité. Mais étude là, il pas suffit. Étude là, pas suffit. Pour mener une union véritable. Mais faut que nous restions croyés dans ça nous étudions. Faut que nous vivions. Faut que nous prêchions. Même si nous trouvons dans Jésus, faut que nous fassions parler de nous. Pour que nous soyons capables de porter une véritable union. Là, on parle de la communion fraternelle. Les dons spirituels. L'amour que chaque monde, que chaque bagaille, ça, mesdames et messieurs, est important pour nous. Mais plénitude, lumière qui gagne en yo, frère et soeur. Yo pas privé fait effet dans la vie nous, tout autant que nous pas rejoignons nous dans le monde si là qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. C'est dans Jésus pour nous rejoindre nous. Hein? Et ça fait, Jésus, là, il était sous la terre, il était prié, papa. Li dit papa, c'est pour sanctifier yo. Par vérité, ça, qu'on là. Qui c'est parole.
la parole de la vérité. Et ça, pour nous vivre l'unité, ça. C'est pour nous-mêmes, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous recevoir la lumière telle qu'elle rayonne de là-bas. Ouais, vérité qui a rayonné dans la parole, bon Dieu, c'est pour nous recevoir. Ouais. Je nous trouver dans Jésus, là. C'est pour nous demeurer, c'est pour vérité ça, demeurer dans que nous. C'est pour affiner que nous. C'est pour purifier la vie, nous, frères et sœurs. Et tout sujet de préjugés, c'est pour le capable d'éliminer ça. Sans ça, nous ne sommes pas capables de vivre l'unité et que nous cherchons à notre Christ. Avant le départ de notre Sauveur Jésus-Christ, Jésus-Christ est un disciple, un nouveau commandement qui dit « Aimez-vous les uns les autres. » Même si on voit l'Église et l'homme lui-même, tout comme l'homme, il dit nous, l'Église est créée à l'image de Dieu. C'est même bagaille là. Pour les membres de la divinité, moun sa yo mutuellement liés ensemble par l'amour, moun qui disent seul Dieu, les parler de Dieu par contre Jésus. Attendez, les a parlé yo dit nous, l'église a été créée à l'image de Dieu de la même manière que les membres de la divinité. Les a parlé des membres de la divinité, nous joignons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le membre de la divinité. Yo mutuellement lié par l'amour, c'est l'amour qui a dirigé yo. C'est l'amour qui rend yo lié ensemble, maconné ensemble. C'est même bagaille là pour les membres de l'église, nous devons aimer les uns les autres frères et sœurs. Ouais, nous devons aimer les uns les autres. Jésus lui dit ordonner chrétiens, croyants pour te démontrer l'amour si là yo. Nous l'amour ça que vous gagnez pour bon Dieu pendant que vous apprenez une l'autre. Si nous ne pouvons pas aimer une l'autre, c'est que nous ne pouvons pas aimer mon Dieu vrai. Jésus personnellement, mesdames et messieurs, te vive principe de l'amour jusqu'à la croix, jusqu'à son apogée à la croix, au calvaire. Jésus avant sa mort. Te prend formule qui te gagne auparavant. Les bails disciples, yo nouveau commandement pour dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça que Jésus t'a dit, disciples, oui. C'est même que Jésus t'a dit, yo. Je vous demande de ne pas vous craponner à vos doigts. Ça veut dire, pour chercher raison, pour chercher droit que vous gagnez. C'est comme ça que Jésus t'a dit, bah, là, oui. Ça moun doué ou, comme si ou gon redevance. Comme si l'on moun force sa ki mal, ou ta dou traîner moun sa la justice. Mais Jésus, c'est pas ça loué. Jésus dit, c'est pour, je vous demande de présenter votre dos au frère. Ça veut dire, à travers l'évangile, y a quoi le frété ou? Si yon bon calotte nan bon ça, c'est pour vous présenter l'autre bon. C'est ça le but, d'étendre l'autre jour, d'être faussement accusé, il n'y a pas accusé. Il n'y a pas des sujets, n'y a pas des objets de moquerie, il n'y a pas de moquer nos frères et sœurs. Il n'y a pas de dire que c'est le monde qui est ridiculisé, il n'y a pas de blesser, il n'y a pas de blesser nos coups de frère, briser, clouer comme sur une croix. Et pour nous ensevelir, pour nous enterrer. Si c'est le prix à payer pour l'amour des autres, frères et sœurs, car c'est ainsi que vous aimez les autres comme je vous ai aimé. La vie chrétienne, mesdames et messieurs, n'est pas facile, non? N'est pas facile. L'impossible possibilité. Comment nous capables de remer? Même Jean-Jésus lui-même, il était remer. Nous, ce sont des choses qui sont impossibles. Nous, c'est un bagage qui est impossible, Jésus m'a dit là. Mais il est capable de vivre accompli, il est capable de vivre fait, parce que c'est Jésus qui promet lui. Et ça fait été dit, lorsque moi me quitter la terre, ma poêle attirer nous, frères et sœurs, ma poêle attirer les hommes à moi, c'est ça Jésus t'a dit, dans Jean 12, verset 32. Il n'a pas parlé de l'unité dans le corps, du Christ, son bagage qui est lié à l'incarnation.
Parce que c'est par la parole faite chair que se réalise l'unité des croyants avec Dieu. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ qui t'est venu faite, t'est venu incarné dans le monde, justement pour que l'unité, ça n'a pas l'idée, l'est capable de vivre faite, l'est capable de vivre maintenue. Vous comprenez? Parce que unité, ça, frère et soeur, son bagage qui est relationnel. L'unité des croyants à travers les racines communes dans la vigne. Parce que nous tous branchés, nous venons rejoindre force nous dans le pied bois, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et finalement, elle est enracinée dans la croix. C'est là Jésus pour le prouver l'amour. C'est là Jésus pour le prouver l'unité qu'il a parlé à. L'amour du calvaire te prend naissance dans le cœur des croyants. Dans le cœur des croyants. C'est ça. C'est là qu'il prend place, les frères et sœurs. L'important pour parler de l'unité, ça, je vous dis, parce que sans l'unité, l'Église n'est pas capable d'atteindre l'objectif, les frères et sœurs. L'Église n'est pas capable d'atteindre l'objectif. Les gens de l'unité à la croix. Nous, l'unité de l'Église, ils trouvent origine à la croix. C'est pour ça que Jésus était oui. C'est seulement en reconnaissant que nous ne pouvons pas aimer et n'aimons pas comme Jésus que nous admettrons notre besoin de sa présence en nous. C'est que les nous connaissons que nous ne sommes pas capables d'aimer, nous ne sommes pas capables d'aimer même avec Jésus. C'est ça qui fait présent Jésus, lui-même, lui important dans la vie, nous, justement pour que nous soyons capables de mettre en application ça Jésus m'a demandé pour nous faire, frères et sœurs. Parce que nous connaissons Jésus, nous pas qu'à aimer. Sans Jésus, nous pas qu'à faire une série de bagailles. C'est là nous croyons en Jésus quand même. Là, Jésus dit comme ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est que sans Jésus, pas grand rien, nous pas capable faire. L'amour aimé n'a pas les liens, nous pas capable. Parce que à la croix, nous venons arriver par réaliser qu'il n'est pas mort pour nous seulement, mais pour les humains. Pour le monde en général, c'est pour le monde si là où Jésus est mort. Ça signifie qu'il aime tout. Pas qu'on nationalité, Jésus par aimé. Pas qu'on race.